obtient un plus gros V6 de 3,5 litres avec près de 300 chevaux. Il y a un peu plus d'un mois, Kia a officiellement retiré la Cadenza K7 en révélant des images extérieures du tout nouveau K8 avant de montrer la cabine de luxe au début du mois de mars. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, nous avons enfin les spécifications techniques de ce qui sera une voiture plus grande puisque la berline s'étend maintenant à 5015 mm, 197,4 pouces, de long. Partant de haut en bas, le produit phare K8 est propulsé par un moteur à essence V6 de 3,5 litres développant 296 chevaux, 221 kW, ou 6 poneys supplémentaires par rapport au V6 de 3,3 litres de Cadenza. Le couple est également en hausse, maintenant à 265 lb puis 359 Nm, ou 12 lb puis 16 Nm, de plus que la berline défunte. Bien que la puissance et l'augmentation de couple soient marginales, une nouveauté plus importante est l'ajout d'un système de traction intégrale pour cette variante de premier plan. Fait intéressant, Kia vendra le moteur de 3,5 litres avec injection de propane liquide, LPI, aux côtés de l'injection directe d'essence, GDI, auquel cas l'unité à 6 cylindres est évaluée avec une puissance inférieure de 237 chevaux, 177 kW, et 232 et le BFT, 314 Nm. Il n'y a pas de mot sur un diesel pour le moment, ce qui pourrait être un signe qu'il n'y aura pas de K8 à moteur CRDI. Le K8 de milieu de gamme s'appuiera sur un plus petit groupe motopropulseur 4 cylindres de 2,5 litres produisant 195 chevaux, 145 kW, et un couple maximal de 183 lb puis 248 Nm. Les moteurs 3,5 et 2,5 litres seront reliés à une transmission automatique à 8 rapports. Une variante de base est également prévue avec un moteur de 1,6 litres et devrait arriver dans les mois à venir. Au-delà des morceaux huileux, Kia affirme que la grande berline qui remplace Cadenza utilise une suspension avant à jambes de force MacPherson et une suspension arrière multibras tout en réduisant les niveaux de bruit, de vibration et de dureté, NVH, grâce à des matériaux insonorisants plus robustes. Par exemple, la marque sud-coréenne souligne une solution à triple étanchéité pour les portes, selon elle, réduit considérablement les bruits indésirables. Non seulement l'extérieur est un vaste départ de l'ancienne Cadenza, mais la cabine a un air de sophistication auparavant indisponible. Une caractéristique qui a attiré notre attention est la fonction support intelligent du siège conducteur. Il est activé soit lorsque le mode sport est activé, soit automatiquement une fois que le K8 dépasse les 130 km par heure. Il réduit la hauteur de la zone des hanches du siège et renforce le support des traversins latéraux. La liste des goodies est assez longue car elle comprend tout. Des sièges ventilés et un affichage tête haute de 12 pouces au premier système audio Meridian de Kia, avec 14 haut-parleurs, et une paire d'écrans numériques de 12 pouces. Le régulateur de vitesse adaptatif basé sur la navigation fait également partie de l'ensemble, tout comme un système de caméra à vision panoramique. Kia mettra en vente le tout nouveau K8 le mois prochain, d'abord chez lui en Corée du Sud avant d'atteindre les marchés mondiaux. La berline chic remaniée a déjà été exclue pour le moment aux États-Unis, où la plus grande K900 a également été supprimée. Positionnée au-dessus des berlines Rio, Forte et K5, la sportive Stinger est toujours disponible aux États-Unis et a récemment reçu plus de puissance pour...